Noël ne connaît pas la crise. Malgré une croissance en berne et un taux de chômage de plus de 10%, les Français devraient dépenser en moyenne 530 euros pour les fêtes. À Noël, je dis qu'il faut faire plaisir, surtout pour mon petit. Après, oui, effectivement, en période de crise, il y a des gens qui doivent serrer la ceinture. Après, on n'a qu'une vie, il faut savoir se faire plaisir. Et surtout pour des moments comme ça, qui tombent une fois par an. D'autres ont préféré anticiper. Disons que cette année, on s'y est pris un petit peu à l'avance. On a pris le temps. Donc en fait, en procédant comme ça, ça nous a permis de ne pas trop subir le coût des cadeaux. Près d'un tiers des Français ont choisi au contraire de faire leurs cadeaux de Noël en janvier pour profiter des soldes d'hiver.